Aujourd'hui, les idéaux défendus par la Déclaration sont encore trop souvent bafoués. Certains osent même remettre en question leurs valeurs universelles. En toute impunité, les opposants politiques sont torturés, des minorités sexuelles, ethniques, culturelles et religieuses sont réduites au silence. Des populations sont persécutées, des femmes violentées. La justice sociale et la lutte contre la pauvreté sont trop souvent marginalisées. Regardez l'état de notre planète. L'accès à l'emploi, la santé, l'eau et l'air propre doivent être un droit pour toutes et tous. Voilà pourquoi le combat pour les droits humains et la lutte pour la défense des droits sociaux et économiques sont plus nécessaires que jamais. Genève, ville des Nations Unies, de la Croix-Rouge, des conventions qui portent son nom, entretient avec les droits humains une histoire fondée sur les valeurs de paix, d'humanité et de solidarité. En tant que maire de Genève, je tiens à saluer toutes les actions qui peuvent contribuer à mobiliser les forces qui veulent établir un monde enfin respectueux des droits de chacune et de chacun. J'espère de tout cœur que l'on parviendra à atteindre pour chaque être humain cet idéal de justice et d'égalité auquel nous aspirons toutes et tous.